la campagne et à Paris? Est-ce que ça fait une différence? Ah oui, à la campagne, le temps est entièrement libre au fond, c'est-à-dire que je n'ai plus d'alibi pour ne pas travailler à la campagne. Donc. C'est quand même. Ça oblige à une certaine. Je n'ai pas non plus de point d'appui. C'est-à-dire que toutes les journées sont ce que je veux qu'elles soient. Elles peuvent n'être rien. Oui. Mais alors, au point de vue du texte, ça doit changer. On n'écrit pas de la même façon si on a des points d'appui ou si on n'en a pas. Aussi, je crois que c'est pas. Il faut se mettre dans la situation. De toute façon, le point d'appui ne compte plus. Je pense. Donc, ça la revient au même. Donc, ça revient au même. Certainement. La seule chose qui change, c'est que les gens téléphonent moins à la campagne qu'à Paris. Ah oui, ça joue. Plus de temps. Plus de temps. Oui. Mais est-ce que, pour vous, quand vous écrivez, bon, c'est devant une table, assise, je pose des questions très concrètes, mais elles comptent, je crois. Bon, c'est devant une table, mais ça n'est pas toujours de la même façon et ça n'est pas toujours à la même table. Alors, de temps en temps, j'aime bien changer de table parce que tout devient nouveau. Mais par contre, je crois que j'écrirai. Si je commence un livre à une table, il faut qu'il continue à la même sur table. Sa table, ça fait. Sur cette table. Vous avez plusieurs livres alors, puisque non, vous avez non. plusieurs non, tables. Non, je suis incapable de travailler deux choses à la fois, mais de temps en temps, c'est comme un repos de changer de table. Enfin, oui. C'est comme si la vie recommençait un peu, qu'elle soit un peu nouvelle. Et si vous êtes à la campagne, vous regardez dehors? Non, très peu. Enfin, je regarde. Enfin, le. Vous écoutez. J'attends en regardant, mais je ne sais pas où je regarde. Comme je travaille d'ordinaire devant une fenêtre, je suppose que je regarde dehors. Mais... L'attente compte beaucoup. Et vous écoutez au fond? J'ai l'impression que l'attente, c'est l'écoute. Plus exactement que l'écoute, c'est l'attente. Enfin, je ne sais plus. Quelqu'un m'a demandé un jour dans un débat quelle différence je faisais entre le poème et le roman. Quelle différence essentielle? J'ai répondu que j'écrivais les poèmes à la main et les romans à la machine. Ce qui avait l'air d'une plaisanterie, mais ce n'était pas du tout mon intention. Enfin, c'était quelque chose d'absolument nécessaire que j'exprimais là. Mais il y a une très grande différence entre écrire à la machine ou écrire à la main. Et cette différence, vous la faites entre le poème et le roman? Non, mais il y a deux choses au fond. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a une distance qu'on a envie de prendre. Cette distance, la machine la donne. Le poème jouant sur tout l'espace de la page, oui. Très différemment de la prose, parce que la prose y étale, oui. Alors que le poème choisit sa place. Oui. Donc le fait qu'il choisit nécessite que le papier soit beaucoup plus... comment dirais-je? Si vous êtes dans la machine, il ne peut aller que de haut en bas. Tandis qu'à la main, on peut travailler dans tous les sens. Au fond, c'est presque un travail de peintre. Un peu. Puis le poème est une espèce d'arbre, comme ça qu'on plante. Enfin, sa verticalité sur la page n'est pas un truc gratuit, c'est vraiment une espèce de nécessité. Enfin, qui est en accord avec sa situation. Il y a une immédiateté aussi. Une immédiateté. À chaque partie du poème, essaie de saisir une immédiateté. Et le rêve serait que ça. Enfin, la vue qu'on peut en prendre, la vue d'ensemble qu'on peut en prendre, restitue aussi cette immédiateté. Le poème tente de supprimer le temps, de faire que l'instant soit le moment de la lecture, alors que dans le roman, il y a une durée et aussi un remplissement de la page, non? Oui, c'est bizarre, c'est comme si le roman voulait absolument prendre toute l'attention, si vous voulez... faisait tout le chemin vers le lecteur, en quelque sorte, oui. Tout au moins comme ça, graphiquement. Le poème a besoin du secours du lecteur, c'est-à-dire il se présente vraiment sans rien d'autre que lui, enfin que son instant. Oui. Mais pour que cet instant coïncide avec le lecteur, il faut que le lecteur aille vers cet instant, donc prenne la peine vraiment de travailler avec lui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de privilégié pour vous? Est-ce que vous privilégiez davantage le poème? Non, absolument pas. J'essaie au contraire d'aller vers une forme qui soit à la fois théâtre, essai, roman et poème aussi. Simplement, si vous voulez, que dans ce flux, qui fasse travailler le lecteur, enfin que ce soit un courant, non pas qui emporte le lecteur, mais qui tantôt le repousse, tantôt l'emporte, de façon à lui poser des questions.
Donc à le faire travailler avec lui. Le faire vivre. Le faire vivre. J'aurais voulu que nous ne parlions pas de livres déjà publiés, de livres devenus presque des objets peut-être, mais du travail de l'écrivain, de votre travail en cours, ou plutôt de l'acte d'écrire. Est-ce que écrire et vivre pour vous, c'est identique ? Ce qui est difficile, finalement, le travail, c'est ce qui n'est jamais montré. Et je me demande comment diable pourrait-on montrer le travail, si vous voulez. Ce que les gens voient, c'est un livre terminé, donc un objet. Alors comment montrer la chose en train de se faire ? Enfin, la chose dans sa durée, dans son étalement, dans son emprise. Enfin, et l'écrivain engagé dans son travail, au fond, c'est une chose que j'imagine qui est montrable. Mais est-ce que ce n'est pas ça que fait l'écrivain ? Non, mais l'écrivain, au fond, si vous voulez, son travail est occulté par le produit de son travail, en quelque sorte. Oui, mais est-ce que le produit de ce travail ne rend pas compte, justement, de ces instants très intense et de ce temps qui passe pendant lequel le livre est en train d'être écrit, le livre est travaillé par l'auteur dans son corps. Au fond, je crois que ça ne passe pas tout simplement parce que cet objet sacralise quelque chose. Si vous voulez, après tout, un écrivain travaille comme un menuisier travaille, comme n'importe qui travaille. Enfin, c'est un travail d'ajustement comparable à l'ajustement de morceaux de bois. Oui. Sauf que le matériau n'est pas le même. Alors ce matériau fait qu'on a tendance à valoriser ce matériau-là. Pourquoi ? Si on arrivait à montrer ce travail, peut-être justement les gens liraient-ils mieux ? Je le pense. Mais comment faire ? Un livre, disons comme nous les aimons. Est-ce que ça n'est pas un livre justement où on sent cette tension qui est capté un instant par le livre, mais qui existe constamment. Et là, il y a une différence peut-être avec certains autres travaux, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'instants dans la vie d'un écrivain qui ne soit pas tendu vers son travail, vers le livre qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il y a une alternance de temps fort, tendu, et de temps vide. C'est ça. Et je me demande, moi, en ce qui me concerne, par exemple, je peux... une bonne partie de mon travail est quelque chose qui n'est pas apparent dans la mesure où c'est simplement une attente devant la feuille vide. Et ce qui a changé dans ma vie, c'est simplement le moment où, disons, les livres que j'avais pu déjà écrire m'ont permis de disposer du temps d'apparemment ne rien faire. C'est-à-dire de rester très mal à l'aise au fond devant devant la chose que j'ai à faire. Ce qui se tendit qu'autrefois, je ne me permettais pas ce temps de malaise, si vous voulez. Le temps, l'époque est toujours impliquée dans le travail. Vous voulez dire l'époque, l'histoire ? L'époque, l'histoire. Enfin, l'époque qui n'est pas encore de l'histoire. Oui. Mais qui est en train de le devenir et qui le deviendra peut-être à travers le travail d'expression. Quand vous pensez à l'histoire, est-ce que vous pensez à la simultanéité de tous les événements qui ont lieu au même instant ? Dans le monde ou... Oui, mais ça, c'est l'histoire en train de se faire. Oui. Et ensuite, cette simultanéité se fige, en quelque sorte, une fois qu'elle est devenue. C'est-à-dire qu'elle cesse d'être simultanée pour être une espèce de bloc qui est, j'allais dire, la mort, mais je sais pas. Vos projets, Bernard ? J'ai toujours beaucoup de mal à parler de mes projets parce qu'il me semble que... les choses n'existent qu'à l'instant où elles se font, à partir du moment où elles se font et une fois qu'on est entré dans le travail. Mais je peux parler de ce sur quoi je travaille maintenant, qui est d'une part, qui est essentiellement trois peintres, qui sont Magritte, Télémaque et Monino. Et ce travail sur la peinture, et la préparation d'un travail... d'un roman qui mettra en cause, qui partira d'un tableau. De l'inscription dans l'histoire de ce tableau. Je pense à un tableau très, très, très précis, plutôt pas particulier, qui est le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, c'est d'une part le tableau de Géricault, c'est aussi l'événement que relate ce tableau, donc le rapport qu'il peut y avoir entre un récit et l'histoire, et c'est aussi ce que nous en avons fait.
C'est-à-dire que ce tableau a été peint il y a maintenant un peu plus de 150 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec quels yeux peut-on regarder encore et un objet culturel et un événement qui se sont déroulés un siècle et demi plus tôt? L'immobilité de la peinture, c'est-à-dire d'un instant perpétué et sur lequel on peut s'attarder sans danger, alors que dans la vie, il y a toujours danger et on ne peut pas s'attarder. Est-ce que ça joue pour vous? Non, ça, c'était plutôt le problème, ça, si vous voulez, parce que ce que j'enviais à la peinture, c'était qu'elle parle immédiatement. Oui. Alors que le texte, il faut le lire dans son déroulement. Mm-hmm. Enfin, on ne peut pas... il n'y a pas d'instantanéité, en quelque sorte, dans un texte, parce qu'on émet un phonème après l'autre, et on lit aussi un mot oui. après l'autre. Et on n'a jamais cette espèce d'ensemble sous les yeux. Alors que la peinture, enfin, l'ensemble d'une peinture parle dans l'instant. Et quand je parle de travail, est-ce que vous avez l'impression d'un travail dans le sens de labeur, dans le sens de... Oui, parce qu'au fond, je me demande si le travail n'est pas essentiellement la mise en cause, enfin la contestation, c'est-à-dire la contestation de tout ce qui est à la fois de tout ce qui est en train de se faire et de tout ce qui s'est déjà fait. Et si écrire n'est pas avant tout ce mouvement de dire non. De remettre en question. De remettre en question. Mais est-ce que ça n'est pas aussi une question d'étonnement? Comme si les choses apparaissaient pour la première fois et sans appartenir encore au langage, sans être encore nommées. Non, parce que là, il y a quelque chose d'impossible. Enfin, où... Peut-être, mais quand même cette surprise due au décalage entre l'objet nommé et le réel que l'on voit, qui apparaît soudain. Enfin, l'art, tout l'art et toute l'écriture, c'est du décalage. Le désespoir, c'est qu'il n'y a pas de vérité, il n'y aura jamais de vérité. Oui. Mais c'est aussi ça, l'espoir, puisque s'il y avait une vérité, quelque chose s'arrêterait à ce moment-là et ce serait fini. Oui. Donc si la vérité existait, en quelque sorte, nous serions des morts de cette vérité. Est-ce qu'il y avait une sorte de volupté, quelquefois, quand on écrit ou quand on lit, à avoir l'impression, à nommer vérité, ceci qui paraît... plus évident, qui paraît plus aussi délectable, ou alors plus cruel d'ailleurs, mais enfin qui paraît soudain avoir capté pendant une seconde, une ligne, trois mots, quelque chose qu'on pourrait appeler comme ça. Tout à l'heure, vous m'avez embarrassé en parlant du moment où les choses apparaissent. Oui. Parce que je ne voyais pas quoi en faire de ce moment, enfin comment il s'intégrait, mais au fond, ce moment-là, c'est le moment de la vérité. C'est ça. Mais le moment de la vérité, c'est toujours le moment de la mise en question aussi, puisque ces choses n'apparaissent que... pour devenir, pour qu'on en fasse quelque chose oui, c'est ça. D'autre. Pour qu'on les mette en question et par conséquent qu'on les mette en scène, en parole. Et... C'est drôle parce que quelqu'un m'a envoyé récemment une question qui m'a beaucoup touchée parce qu'au fond je ne pouvais pas lui répondre. C'était qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que vous cessiez d'écrire? Alors cette question était si importante qu'au fond je ne savais pas quoi dire. Et... j'ai essayé de répondre en disant « mais ça m'est déjà arrivé, quelque chose est arrivé dans ma vie qui a fait que je n'ai pas écrit pendant presque 10 ans. » Et quand j'essaie maintenant que je me suis, enfin que j'ai accepté d'écrire et que pendant ces 10 ans je n'ai pas accepté, je voudrais bien me rendre compte, enfin pouvoir me rendre compte à moi-même de ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Et je me rends compte qu'aucune explication n'est suffisante, oui, parce que c'est vrai, je n'ai pas écrit parce qu'il y avait la guerre d'Algérie, je n'ai pas écrit parce que écrire me semblait tout à fait secondaire par rapport à des événements qui survenaient dans le monde. Tout ça est vrai, mais tout ça n'est pas assez. Et bizarrement, écrire, c'est un peu s'apercevoir que rien n'est assez. Oui. C'est d'ailleurs ce que vous disiez plutôt me faisait penser... à cette impression que j'ai souvent de cette fantastique confiance qu'a un écrivain, même le plus désespéré, même Artaud par exemple. Mais bon, il en était à ce point, tout était éclaté, tout était... il n'y a plus rien et puis on écrit et on donne quelque chose et on exprime quelque chose. Mais exprimer quelque chose, ça signifie une telle confiance, quelque chose de... Il n'y a rien, enfin une des choses les plus positives qui puisse exister. Et ce qu'on exprime d'ailleurs, c'est souvent le désespoir et l'impression d'inanité des choses et d'absence. Alors peut-être qu'en effet, se taire n'exprimerait rien, mais serait
équivalent à cette sensation qui fait écrire. Alors pourquoi écrit-on ? Et pourquoi écrit-on ? C'est le... Peut-être que tout ce qu'on a fait au bout de la vie répond à cette question. Mais je ne crois pas qu'à un moment on puisse arrêter et dire « Voici pourquoi j'écris. Pourquoi j'écris ?» Si vous voulez, ce qui ressort un peu, j'écris, au fond, dans l'imminence de quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire dans l'imminence d'une... Et au fond, dans l'imminence d'une catastrophe. Mais le mot catastrophe étant mal noté, je veux dire que catastrophe, c'est toujours quelque chose d'horrible qui est, que ce mot fait surgir. Mais j'écris aussi dans l'imminence d'une catastrophe qui peut être le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur pourrait m'empêcher d'écrire et le grand malheur pourrait également m'empêcher d'écrire. L'événement ? L'événement, non, mais l'événement. Enfin, l'événement définitif. Je veux dire, au fond, il n'y a qu'un événement définitif qui pourrait empêcher. Je me demande, au fond, aussi, si parfois on n'écrit pas tout simplement pour connaître sa mort d'avance. Si vous voulez, parce que la grande tentation, enfin, oui, pour moi, la grande tentation serait de partir un jour sans laisser d'adresse et de revenir 10 ans après pour, en quelque sorte, me voir mort à travers le souvenir que j'ai laissé ou que je n'ai pas laissé. Le mot inspiration, c'est un mot que vous acceptez ? Non, mais pour des raisons très de vérité pratique, si je puis dire, c'est que c'est le travail des mots qui déclenche les idées. Enfin, je veux dire que l'inspiration dont... Enfin, je conteste ce mot simplement parce qu'on l'entend d'ordinaire comme le, la enfin, le donner à partir de... Enfin, comme la grâce. Au fond, la grâce divine, à partir de quoi, bon, on peut travailler, c'est le contraire, c'est à partir du moment où on travaille qu'on peut être inspiré. Mais par exemple, bon, si je prends ce texte, vous, bon, peut-être vous pourriez le lire. Oui. Quelle craie sur ton visage a mis le regard aux abois. Ton amour dans ma tête fait un rêve de marbre. Quelqu'un crie. Mannequin, mannequin, et la pierre sourit. Qui m'a gelé ? Demande la statue. L'éternité est froide. Ce qui est bizarre, en effet, dans ce texte, dans un premier temps, c'est qu'il est venu au bout d'une série. Et au fond, cela ressemblait à l'inspiration. Je veux dire, là, le travail étant fait. Enfin, je crois que c'est le 13e d'une série. Mm-hmm. Je n'ai pas compris qu'est-ce que... Il me disait quelque chose qui m'importait, mais je ne comprenais pas quoi. Et au fond, je n'ai compris ce texte que devant mon père mort, parce que j'ai... Tout à coup... Enfin, le mort était le mannequin, tout devenait froid, enfin, tout était figé, tout était gelé. Enfin, il y a une espèce de... d'annonce d'une situation que je n'ai vécue qu'assez longtemps après, mais qui était très exactement celle-là. Ce salut par l'écriture, enfin, cette espèce de garantie que donne une œuvre, à la fois que l'on existe et que cette existence a une valeur, et puis qu'elle est sauvée d'ailleurs, qu'elle est à la fois, l'œuvre étant à la fois le début et la fin d'une existence, peut-être que c'est Proust qui l'a éprouvé pour la dernière fois, qui s'est donné le droit d'y croire. Peut-être parce que jusque-là, le temps... Enfin, tout le monde avait l'illusion que ça durerait toujours. Oui. Et qu'en effet, avec l'invention de la bombe atomique, il y a eu un temps où on a pensé que tout ça pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre. Enfin, que l'humanité pouvait mettre fin à son histoire. Oui. Comme ça, tout à coup, même par accident. Et que ce qu'on aimait pouvait disparaître, ne plus exister. Avant, on... Vous pouvez croire que nommer une chose suffisait pour la faire exister à jamais. Moi, c'est bizarre parce que j'envie ce sentiment de la durée qu'ont pu avoir des gens comme Proust. À la fois, c'est quelque chose que, non pas que je ne comprends pas, mais qui m'est complètement étranger. Si vous voulez voir mon nom sur un livre, ça n'est absolument pas quelque chose qui me rassure. C'est même tout à fait le contraire, si vous voulez. Rencontrer, enfin, je n'aime pas plus... Au fond, rencontrer mes livres, que me rencontrer moi-même, en quelque sorte. Enfin, je veux dire, mon image, comme ça, parce que... enfin, un livre, ça ressemble un peu à un tombeau sur lequel on a écrit son épitaphe. Oui. Enfin, ça me fait exactement cet effet-là. Je ne sais pas si c'est...
névrotique, mais c'est... Enfin, ça ne me semble... rien ne me semble gagné, en tout cas. En tout cas, pas gagné à travers ça. L'écriture a perdu un de ses défauts, enfin, disons, une de ses... des façons qu'elle avait de mentir. Je veux dire, cette foi que l'on pouvait avoir en une sorte de continuité, parce que un livre, une page, c'est toujours plein, c'est toujours continu. Mais maintenant, on sait que la continuité n'existe pas. Enfin, il me semble, en mathématiques, même en histoire, on sait qu'il y a des creux, des vides. Et maintenant que l'écrivain le sait, qu'il connaît ces manques, qui sont peut-être au fond essentiels, c'est de ces manques souvent qu'il rend compte. Je me demande finalement si c'est pas pour une raison historique. Si vous voulez, notre génération a été marquée par deux choses, par la guerre de Corée et la guerre d'Algérie. Oui. La guerre de Corée, je me souviens un discours de Truman en 1950, discours dans lequel Truman nous expliquait aux gens, s'adressait à la jeunesse en disant « il faut que la jeunesse renonce à sa jeunesse ». Alors la guerre de Corée, c'était donc une espèce de renonciation à cette durée. C'est-à-dire en entrer dans un temps mortel parce qu'il y avait en plus la bombe atomique, qu'il y avait toutes ces menaces. Et après quoi s'est ouverte pour nous, Français, la guerre d'Algérie. Et je veux dire, chose que... Enfin, on ne peut pas contourner. Enfin, tout se passe comme si la littérature, depuis 20 ans, avait contourné cette guerre d'Algérie. Et elle apparaît sous forme de ricochets qui sont la violence, parce qu'il faut bien rendre compte de la torture. Enfin, on ne peut pas rendre compte de la torture, justement. Toute la montée d'un certain érotisme en littérature, enfin pour moi c'était le cas en tout cas, si vous voulez, la torture était la violence. La violence est ce qui ne parle pas, parce que la violence exerce, mais on ne la dit pas. Je veux dire, le bourreau ou le tortionnaire se contente d'agir sur le corps de l'autre, et l'autre crie mais ne parle pas. Et l'érotisme étant au fond la chose dont notre société ne parlait pas. Il me semblait qu'il n'y avait qu'un moyen de rendre compte de cette violence-là, que tout voulait taire, en parlant de ce dont on ne parle pas d'habitude. Et comme ça, la guerre fait son intrusion, mais de façon complètement indirecte. C'est-à-dire toujours à travers le corps et la présence. À travers le corps et la présence, mais une mise en cause radicale à la fois du corps et de la présence. Et mise en cause qui passe finalement par le lieu même du corps et de la présence qui est l'amour. Enfin, j'ai essayé dans un roman, dans les premiers mots, de faire, comme ça, d'essayer de me rapprocher du moment où ce serait le corps qui parlerait vraiment. Et je me suis aperçu tout simplement que le corps, ce qui se passe dedans, ce dedans n'a pas de langue. Parce que là, enfin, il y a un certain nombre d'organes, il y a une vie, enfin, la vie est vivante là, mais ce vif-là ne s'exprime pas directement dans un langage. De telle sorte que si vous voulez faire parler l'organique en vous, il y a des bruits, mais il n'y a pas de langue. C'est ça qui est extrêmement inquiétant, parce que la vie, finalement, n'a pas de langue. Oui, et alors qu'est-ce que le langage dit ? Le langage fuit. Enfin, le langage reste parallèle, en quelque sorte. Donc, on essaie de le courber pour qu'il se rapproche. Le langage serait alors une sorte d'intermédiaire entre la vie et la mort. C'est-à-dire que ça ne serait pas la vie... Et ça empêcherait la mort quand même. Je crois que ça n'empêche pas la mort. Je me demande si le langage n'est pas en quelque sorte la mort vivante. Enfin, n'est pas une espèce de paradoxe extrême. Ce qui fait que le langage peut donner aux gens l'illusion qu'il dure. Ça me touchait quand vous parliez de Proust tout à l'heure, vous rappeliez cette tentative de rassembler toute sa vie dans une espèce de monument fantastique où elle survivrait. Mais ce qu'il y a de plus bouleversant dans Proust, c'est finalement la fin de la recherche du temps perdu, quand il revient dans ce monde qu'il a si merveilleusement décrit, enfin si vivement décrit, il s'aperçoit que tous ces gens-là sont devenus les mannequins d'eux-mêmes, en quelque sorte, et qu'ils sont déjà morts, ils sont encore là, mais leur monde est déjà mort et eux-mêmes aussi. Et tout à coup, il se rend compte que même son œuvre, si extraordinaire soit-elle, enfin mourra un jour comme le reste. L'autre jour, j'ai vu un film de Leroy Gourhan, autour de Leroy Gourhan, où il parlait
de nos ancêtres, disons, enfin, de cet homo sapiens qui, il y a 40 000 ans, était déjà nous. Oui. Et quand on imagine que, disait-il, cet homme, enfin, cet homme qui a fait Lascaux et Altamira, etc., si on le rencontrait dans la rue, on n'aurait pas l'impression que c'est un étranger. Pourquoi et on vit sur le même territoire. Mais est-ce que ça n'est pas contre ça qu'on se révolte, finalement, continuer, encore continuer, toujours continuer? Oui, c'est redondant. Si on écrit, c'est pour que ça ne continue pas, pour casser les choses et non pas pour que ça dure.